Le bus promotionnel des pompiers, utilisé sur le Tour de France, désormais consacré à la sensibilisation. Ça permet de parler des gestes de prévention, de sensibilisation pour le grand public à tout ce qui est les incendies domestiques avec des détecteurs de fumée pour mettre à l'intérieur des appartements qui sont offerts là sur ce stand, ainsi que des cendriers pour ne pas jeter les mégots dans la forêt pour la prévention des incendies. Sur ce stand, les visiteurs peuvent profiter de nombreuses activités, de vidéos explicatives ou encore devenir pompier le temps d'un instant. Un événement qui est cool pour les jeunes. C'est vrai qu'on entend pas mal parler en ce moment des feux de forêt et après les risques et pourquoi est-ce qu'on fait appel aux pompiers aussi. Donc c'est bien d'avoir un contact aussi un peu privilégié avec les pompiers. Comme ça, ils vont pouvoir échanger, poser des questions et ça va leur apporter des nouvelles connaissances. Le bus permet aussi de véhiculer l'image des hommes du feu et présenter le métier aux plus jeunes. Sa position ici en bas de vallée, c'est surtout aussi pour recruter des jeunes dans nos villages qui sont dans le haut pays niçois et qui manquent cruellement de pompiers volontaires. Chaque année dans les Alpes-Maritimes, 2 pompiers sont recrutés.